C'est Laetitia d'Elby Wellness. Donc aujourd'hui, on va faire un HIIT, donc un exercice à haute intensité. Et donc voilà, ce sera un workout qui sera divisé en trois parties. Et dans trois, dans chaque partie, vous avez trois exercices que vous devez répéter trois fois. Et donc après les 6 premières minutes, on va prendre une pause de 10 à 20, 20 secondes. Et ensuite, on va enchaîner les deux dernières parties sans temps de repos. Donc voilà, c'est parti, on lâche rien. On y va. Donc voilà, on va commencer avec les burpees et press. Donc là, ce que je fais, j'utilise des poids de à peu près 11 kg. Et on a 10 secondes de repos. Et on va faire la même chose avec la main gauche. Essayez de vraiment faire les squats et vous donner un coup de pied. Sinon, vous faites juste ce petit mouvement. Si vous avez la force, vous descendez vraiment vers le bas. Voilà. 10 secondes de repos, 10 secondes. Et on recommence avec des burpees. Single arm press. Chose avec donc on fait c'est pas si je vais prendre une pause, je me sens en parfaitement en forme. Russian kicks, Russian squat kicks. Donc là, si vous remarquez bien, on travaille un peu tout le corps. Là, on travaille plus les jambes. Quand on fait les burpees, on travaille et les abdos. Quand on ramène les poings vers le haut, on travaille aussi les bras. Voilà, on va refaire cette série une dernière fois et on va prendre 20 secondes de repos. Ouh, je me suis trompée. On reste avec la main gauche.
droite. Pour le suivant. C'est pas évident.
Quand on me punissait quand j'étais petite, il fallait faire cette position et ne pas faire des pulsations, mais rester comme ça, sans bouger, sans bouger. J'ai mélangé l'anglais et le français. Mouver. Je me suis un peu trompée, donc c'est pas grave. Juste, suivez-moi. Thank you.
c'est pas un hit explosif. C'est un hit avec une faible intensité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'exercice explosif. Ça travaille plutôt vos muscles, c'est-à-dire c'est un renforcement musculaire, musculaire plus qu'autre chose. Allez, on va faire les dumbbell swing à la droite. Je suis vraiment embrouillée. C'est toujours comme ça quand je suis